Essayer un peu de découvrir ses potentiels à l'intérieur et on va essayer aussi d'ouvrir parce que j'ai déjà ouvert parce que j'étais en train de faire des trucs, j'ai déjà ouvert sans devoir essayer de voir qu'est-ce que qu'il y a à l'intérieur de ce nouveau iPhone qui m'a l'air très 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 intéressant. Comme vous le voyez, nous avons un iPhone 14 Pro designed by Apple in California, assemblé en Chine. On a ces fonctionnalités, donc on a beaucoup de nouveautés, mais ce qui va le plus nous importer, c'est concernant la caméra et aussi un peu le stockage et tout. On va découvrir ça. On a la licence ici, c'est intéressant. Donc, comme je vous ai dit, j'ai déjà un peu ouvert et on a eu la chance parce que on a découvert un iPhone du style un peu foncé, donc c'était vraiment quelque chose de waouh. Donc on va ouvrir ça, notre iPhone. Comme vous avez dit, je l'ai déjà ouvert. Ça, c'est un iPhone 14 Pro. Un iPhone 14 Pro avec ses accessoires. Pour la première fois, Apple est venu avec des accessoires. Waouh! Parce que ces derniers temps, on s'est plaigné vraiment, ils nous vendent un téléphone sans chargeur. Il y a les trucs pour la SIM. Il y a le truc pour la SIM. Il y a le fameux Apple logo. Le fameux Apple logo. Ça, c'est la licence qui est en Turquie, je pense. Ça, c'est l'Apple logo. Bon, l'Apple logo est là. Ça m'a l'air intéressant. Bon. On va essayer un peu d'entrer un peu en détail. Comme vous le voyez dans ces nouveaux iPhones, c'est intéressant. C'est intéressant et la fameuse puce bionique qui m'a l'air très bon. Oh. Voilà la fameuse puce bionique. La fameuse encloche qu'Apple a remplacée par une puce bionique. Concernant le mode photo, ça m'a l'air intéressant, le mode photo et le mode vidéo. La photo, elle est plus ou moins intéressante parce qu'on peut zoomer à 15 fois l'objectif, ce qui m'a l'air plutôt intéressant pour un iPhone. Et le mode cinématique qui est maintenant d'actualité chez Apple, le mode cinématographique. Après le mode cinématographique, on a aussi une nouveauté, c'est l'iPhone, on peut filmer à partir d'un mouvement, comme vous voyez, le mode action qui est désormais d'actualité. Dans les catégories Apple, on peut filmer en 60 HD, on peut filmer en 2.8K, c'est intéressant. Et le mode cinématique, cette fois-ci, on peut filmer en 4K, ce qui n'était pas présent dans les iPhone 13.
élément portrait qui est aussi incroyable, qui apporte plus de lumière à l'objectif, ce qui est un peu intéressant encore. C'est vraiment intéressant lorsque vous voyez ma main. C'est vraiment intéressant concernant par rapport à un iPhone 13 normal. C'est vraiment incroyable. Et concernant le mode de stockage, about information, ouais, c'est un iPhone 14 Pro. iPhone 14 Pro, version iOS 16.0. On a payé normalement une capacité de 128 gigabytes. Les réseaux qu'on utilise, c'est intéressant, C'est vraiment intéressant. Donc je viens de l'acheter aujourd'hui. Alors je n'ai pas encore totalement checké. Je vais un moment là, je vais checker notre iPhone, on va checker ensemble et puis un temps là, je ferai une vidéo qui va différencier l'iPhone 13 et l'iPhone 14.